qui commence à devenir de plus en plus présente en essai de la France, qui est un pays de liberté. Il n'est pas venu. Un soldat qui tombe, c'est une épouse qui devient veuve. Un soldat... On est là pour dire stopper la guerre, arrêter de tuer, des militaires d'abord et des civils encore. Encore voilà. Plus d'une centaine d'Ukrainiens. Le message est clair. Car ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que les terribles persécutions dont sont victimes actuellement les personnes gays en Tchétchénie sont encouragées par les autorités elles-mêmes. Il y a une impunité totale. Il semblerait que M. Kadyrov, aussi inféodé soit-il à M. Poutine, semble que tout lui est permis. Donc le message aujourd'hui, c'est de demander à M. Macron de profiter de la visite de M. Poutine pour lui dire très fermement que ces exactions, cette persécution doivent cesser. C'est absolument inacceptable.